Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo matos. En effet, je vais vous parler d'un produit qui est indispensable l'hiver, à savoir les gants. Pourquoi les gants? Tout simplement parce qu'en hiver il fait froid et qu'on veut pas avoir froid aux doigts, donc on veut se les protéger. Et moi j'utilise la paire de gants 100% Brisker depuis 3 hivers maintenant, donc c'est le 3e hiver que je les utilise cette année. C'est une paire de gants qui est proposée à un tarif de 29,99€ et c'est vraiment une super paire de gants. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors c'est une bonne paire de gants parce que le dessus de ces gants, il est plus épais que des gants d'été. C'est un dessus qui est molletonné. Ça permet donc de maintenir la main au chaud et de ne pas avoir froid à ses petits doigts en plein hiver. La particularité par rapport à d'autres gants, parce que vous allez me dire « Ouais, mais tous les gants d'hiver, ils sont plus épais. » La particularité de ces gants, c'est que sur la partie de la paume de la main, c'est assez fin. C'est pas épais comme le dessus, pas autant épais que le dessus ou que sur d'autres gants d'hiver qu'on peut retrouver sur le marché. C'est assez fin, ça se rapproche des gants d'été et ça permet donc d'avoir un meilleur toucher, des meilleures sensations au pilotage sur le cintre, sur le freinage. Le désavantage, c'est qu'étant donné que les gants ne sont pas molletonnés sur tout le gant, même sur la paume de la main, et ben ça permet pas d'avoir très chaud jusqu'à des températures qui frôlent 0 degré. Bon, les températures qui sont optimales pour ces gants, je dirais entre 13 et 4-5 degrés. Au-delà de 4-5 degrés, donc quand on va frôler les températures de zéro, là on va commencer à avoir froid aux doigts, froid aux mains. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des gants qui tiennent extrêmement chaud aux mains et des super sensations de pilotage. Il faudra faire la part des choses. Moi je pense que dans une région où il fait rarement en dessous de 5 degrés, ça c'est des super gants. Pour finir, on va parler de la durée dans le temps de ces gants. Et franchement, bon, bah, depuis 3 hivers, vous pouvez le voir, ils n'ont pas vraiment bougé. Bon certes, il y a des fils qui se tirent maintenant, il y a 2-3 petits trous de branches qui ont été prises. Là sur la paume de la main, il y avait écrit quelque chose, je vous mets une photo à côté de ce qu'il y avait décrit, bah, ça a complètement disparu. De plus, le scratch il commence à plus être très efficace. Donc voilà, ils ont vieilli, mais ça fait quand même 3 saisons que je les ai. Par rapport à des gants d'été, ça tient bien plus que des gants d'été. Donc pour le prix, c'est plutôt correct. Malgré tout, ça reste des gants qui tiennent encore chaud aux mains dans les températures que je vous ai dites, à savoir entre 12 et 13 degrés et 5 degrés. Donc j'en suis plutôt satisfait, très satisfait même. Et bah, je vais continuer à rouler avec tout simplement. Et moi je peux que vous encourager à en acheter une paire pour rouler chez vous l'hiver. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gants? C'est des gants qui vieillissent déjà très bien dans le temps, qui permettent de garder les mains au chaud entre 5 et 12 degrés. Et puis ça permet de super sensations, un bon toucher de freinage et des super sensations sur le terrain. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous présenter de mes gants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on échange, je vous répondrai. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ridez bien, ciao !